À quoi s'attendent les entreprises alors qu'en février, l'expansion du secteur privé dans la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis 6 ans? Guillaume Desjardins est allé leur poser la question. Près de Lyon, cette société fabrique des portes souples industrielles depuis plus de 3 décennies et vend ses produits en France et à travers l'Europe. La santé économique de l'Union a bien sûr une influence sur son développement. En 17 ans, ses effectifs ont plus que doublé. Et de nouvelles embauches sont prévues. Comparé à 2011, par exemple, on a augmenté à peu près de 30 à 40% notre capacité à produire, à produire des portes dans la semaine. On était à peu près à 50 portes par semaine en 2011. Aujourd'hui, on est à 85-90, voire des fois plus, en avoisinant les 100 portes par semaine. L'essor de cette entreprise illustre le développement actuel du secteur privé dans la zone euro, en particulier dans l'activité manufacturière. De nouveaux emplois sont créés. Dans le même temps, le taux de chômage devrait passer dans l'Union européenne de 8,5% l'an dernier à 7,8% en 2018, sans revenir à son niveau de 2007 avant la crise. Ces derniers mois, la faiblesse de l'euro a permis de faciliter les exportations des produits européens en augmentant leur compétitivité. Mais cet effet s'estompe peu à peu. Du coup, un regain dans la demande domestique du fait de la baisse du chômage arriverait à point nommé. Une demande qui sera forte seulement si l'inflation reste contenue. Pour garantir cette embellie, les entrepreneurs attendent aussi des politiques, une stratégie économique claire, leur développement en dépend. Alors, on va chercher la croissance en priorité à l'international, un peu en France, mais surtout à l'international et de façon prioritaire en Europe. Dans un contexte de baisse des investissements qui a débuté avant la crise en Europe, les sociétés comme celle-ci hésitent à investir comme elles le voudraient dans un climat politique incertain. C'est un peu inquiétant parce que cette instabilité nous enlève un peu la perspective de notre développement. Et puis on sait aussi qu'en France, les années électorales ne sont pas des années très favorables aux investissements parce que tout est un peu gelé.